Alors le thème aujourd'hui, c'est gérer plusieurs centres. Ça peut paraître compliqué. Effectivement, ça l'est, mais si on est bien organisé, on peut y arriver. Moi, personnellement, j'ai géré jusqu'à 4 structures. L'idée d'avoir 4 structures, c'est de regrouper en fait une identité commune à 4 structures pour pouvoir faciliter la gestion du management avec la formation des équipes, notamment favoriser aussi la gestion de stock, donc c'est-à-dire avoir des marques uniques ou pas monomarques, mais plusieurs marques, mais dans les différentes structures. Voilà, la gestion opérationnelle, ça simplifie beaucoup de choses, de tout unifier, d'avoir une ligne directive aussi avec une vision très claire pour pouvoir ensuite déléguer aux équipes et puis partager avec les équipes. Et justement, pour en venir aux équipes aussi, ce qui est important, c'est d'avoir un leadership qui a une vision très très claire, un bras droit, donc un spa manager qui gère les différentes équipes et qui suit aussi cette ligne directive. Et dans chaque structure, avoir une responsable cabine pour pouvoir aussi faire le lien entre la gestion opérationnelle et puis le terrain. Et un suivi de formation aussi au niveau des équipes. Ça, c'est primordial aujourd'hui. Donc une fois qu'on a aussi toutes ces équipes qui sont en place avec le management, l'important aussi, c'est d'être organisé en fait. Donc en tant que leader, il faut avoir un time management et puis avoir une journée consacrée à l'admin, une journée consacrée au marketing, à la gestion opérationnelle, etc. Mais il faut aussi que derrière, le spa manager soit organisé de la même façon, en fait, avec un planning différent, mais qui lui est propre, en fait, avec des journées de réception, notamment. C'est comme ça qu'on va pouvoir guider aussi les équipes, les responsables cabines et sur le terrain, ensuite, pour que les clientes aient un parcours client unique, en fait. Voilà, donc après, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, comme je disais au début, mais si on met tout ça en place, le management, la rentabilité autour du stock et avoir une bonne ligne directive, une vision et un parcours client, on peut y arriver et vous pouvez y arriver aussi.